la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, le Seigneur nous prépare un festin. Il nous invite à y prendre part. Alors, une condition. Il nous propose une condition. Nous devons être d'abord purs, prévoir notre présentation afin d'être avec lui à la même table. C'est pourquoi, avant de célébrer cette Eucharistie, nous devons d'abord reconnaître le pécheur. Demandez pardon à lui. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais le droit de faire. Et j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Et j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis pour la Vierge Marie, les anges et les saints. Qui nous
Liturgie de la parole. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Au 25e chapitre, du 6e au 9e verset. Chapitre 22e, du 1er au 14e verset. Jésus disait en parabole : le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébrait les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités : voilà, mon repas est prêt, mes veuves et mes bêtes grasses sont égorgées, tout est prêt, venez, venez au repas des noces. Mais ils n'en tenaient aucun compte et s'en allèrent, l'un en son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent le serviteur, le maltraitèrent et le tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : le repas est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées de chemin, tous ceux que vous rencontrerez, invitez-les aux noces, au repas des noces. Les serviteurs allèrent sur le chemin, rassemblèrent tous ceux qu'ils rencontraient, les mauvais comme les bons, et la salle des noces fut remplie de convives.
Le roi entra pour voir les convives. Il vit un homme qui ne portait pas le vêtement des noces. Et il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement des noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs, « Jette-les pieds et poignets liés dehors dans le ténèbre. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Certes, la multitude des hommes est appelée, mais les élus sont peu nombreux. Acclamons la parole de Dieu. D'avoir une voix aussi haute et intelligible pour vous faire comprendre ce que je vais dire ou pour me faire entendre. Alors je ne sais pas si ceux qui sont de l'autre côté au fond peuvent m'entendre. Alors ce que je vais faire, puisque je ne saurais pas avoir une voix qui pourra se faire entendre jusqu'au fond, vous qui allez m'entendre à la fin de la messe, vous pourrez aller partager avec ceux-là. Panekoma Christou, c'est vraiment dans un climat très favorable que nous sommes tous réunis ici pour célébrer les dons du ministère sacerdotal, les dons du sacerdoce ministériel du Père Hervé. J'ai dit que c'est un contexte ou encore un climat favorable parce qu'il s'agit du climat de l'accomplissement du festin du royaume. Pour comprendre ce que c'est le royaume, le Christ utilise ici un langage courant, langage de la fête. Tout le monde sait ce que c'est une fête, même les préalables pour participer à une fête, tout le monde le sait. Et le Christ utilise justement aujourd'hui ce langage du festin pour expliquer ce que c'est le royaume des cieux. Et déjà bien avant la célébration du festin du royaume, était déjà annoncé par le prophète Isaïe, puisque les prophètes disaient « Ce jour-là, le Seigneur Dieu de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décante. » Isaïe chapitre 25, les versets 26. Saint Frédéric, d'ailleurs comme l'Église entière, représente donc cette montagne sur laquelle le festin du royaume est organisé. Le festin du royaume est préparé. Et ce festin, c'est justement la célébration de ce grand Eucharistie. C'est ici que s'accomplit le grand mystère de la grande fête que Dieu célèbre avec l'humanité, que Jésus-Christ célèbre avec vous, c'est moi. Et Matthieu situe bien le contexte de la préparation et de l'organisation de cette fête ou de ces festins. Il s'agit du contexte de l'explication parabolique du grand mystère du royaume des cieux. Et quand vous pouvez vous rendre compte, ce n'est pas pour la première fois que le Christ utilise les paraboles pour expliquer la nature et les préalables pour entrer dans le royaume des cieux. Si vous prenez à l'intérieur de Matthieu même, pour ne pas aller chez les autres comme chez Luc et Marc, déjà dans le chapitre 13, verset 1 et jusqu'au verset 23,
le Christ utilise la parabole du semeur pour expliquer ce que c'est le royaume des cieux. Dans le même chapitre, précisément dans le verset 14 à 30, il emploie une autre parabole qui est celle du blé et de la mauvaise herbe. Dans le même chapitre, les versets 44 jusqu'à 58, il utilise la parabole du trésor caché, de la perle et du filet. Dans le chapitre 20, versets 1 à 16, il utilise la parabole sur les ouvriers de la dernière heure que nous avons écoutée le dimanche passé. Dans le chapitre 21, les versets 33, il utilise la parabole sur les vignerons assassins. Dans le chapitre 22, sur la célébration des noces du fils d'un roi, la parabole que nous avons entendue aujourd'hui. Dans le chapitre 25, il emploie la parabole de 10 jeunes vierges. Dans le chapitre 25, il emploie enfin la parabole sur les talents. Il faut se poser une question. Pourquoi le Christ a pris tellement de temps pour élaborer un langage symbolique pour nous expliquer les mystères du royaume des cieux? Et déjà, toutes ces paraboles, comme tant d'autres, ils n'ont qu'une seule visée. Et la visée parabolique, c'est de nous enseigner d'abord sur quelque chose de très important, sur quelque chose de très profond, voire même d'essentiel dans notre vie. Et de l'autre côté, la parabole vise à nous faire réfléchir. Vous vous rappelez bien de la parabole de Nathan. Quand Dieu envoie le prophète Nathan pour aller voir le roi David, il utilise la parabole qui a fait réfléchir David au point de se déchirer les habits et de crier, de prier les psaumes 50-51 que nous connaissons tous. Ça, c'est la visée de la parabole. Et dans le contexte de la parabole d'aujourd'hui, cette visée, c'est de nous conduire à une conversion. C'est pourquoi j'aimerais peut-être structurer cette parabole entendue en deux parties. La première partie met en scène la controverse de Jésus ou la discussion que Jésus a avec les pharisiens. Et la deuxième partie de cette parabole parle justement des conditions pour avoir accès au royaume des cieux. Chers frères et sœurs, dans cette parabole, Jésus emploie l'image du fils du roi pour qui les rois organisent ses festins. Ce fils du roi n'est rien d'autre que le Christ lui-même. Jésus, le fils des dieux, le fils du roi, qui célèbre ses noces avec l'humanité, qui organise cette fête avec nous. Et les pharisiens représentent tous ceux qui manifestent une certaine indifférence à l'évangile, à la parole de Dieu, à tout ce qui concerne les religieux. Ce sont ceux-là qui sont représentés par les pharisiens. Et contrairement à une fête de mariage, à une fête d'ordination, comme celle-ci de prémices, contrairement à une fête de la première communion, à une fête d'anniversaire ou de collation de grades académiques, nous remarquons que cette parabole nous présente des invités hostiles, des invités qui ne veulent pas participer à la fête. Alors qu'à Kinshasa, si on ne vous invite pas à une fête, vous pouvez en faire un problème. Il y a un problème, moi, pas invité. Mais dans cette parabole, il y a un comportement qui étonne. Les invités s'excusent. Les invités sont hostiles. Les invités sont indifférents. Les invités s'engagent à leurs préoccupations. Ils refusent de participer ou de répondre à l'invitation de la fête du roi, du fils du roi. Eh bien, tous ces invités, à première vue, ce sont d'abord les fils d'Israël, pour qui le Seigneur envoie les prophètes ou avait envoyé les prophètes, justement pour continuer la communion, l'alliance qu'il avait déjà scellée avec Abraham et qu'il voulait poursuivre avec eux. Mais ils ont refusé. Ils ont été indifférents à l'égard du message des prophètes, à l'égard de la prédication des prophètes.
Ils ont refusé tout simplement. Et quand le temps est arrivé où le Fils de Dieu lui-même doit venir célébrer l'alliance fondamentale entre l'humanité et Dieu, le même fils d'Israël refuse. On aurait pu peut-être comprendre que le message du Christ, qui est le message de Dieu, serait facile à accueillir et à comprendre. Mais malheureusement, du vivant de Jésus, ils ont refusé d'écouter et d'accueillir le message qu'il a apporté. Les serviteurs envoyés par les rois pour distribuer l'invitation divine ne sont pas disparus. Ils sont toujours là. Aujourd'hui, tous les baptisés peuvent aussi représenter ces serviteurs. Ceux qui sont ordonnés pour le ministère sacerdotal, ceux qui ont reçu le mandat par le sacrement, ce sont ceux-là aussi que le Seigneur envoie pour continuer à perpétuer, à élargir le royaume des cieux. Mais qu'est-ce qui arrive? Il arrive que nous ne soyons pas prêts ni à écouter le message évangélique, ni à accueillir les serviteurs que le Seigneur nous envoie. Ce comportement n'a pas disparu. Aussi, on peut constater que beaucoup d'hommes et de femmes, aujourd'hui, sont hostiles à la parole de Dieu, mais aussi aux serviteurs de Dieu. Il suffit seulement d'observer le monde tel qu'il est pour s'en rendre compte. À la place de la conversion du moi qui nous aide à réaliser l'utopie de la construction de la civilisation d'amour et de la fraternité humaine, nous sommes portés, nous sommes tendus par une force, par une grande énergie intérieure, malheureusement négative, par une soif ou encore par un désir ardent du pouvoir, le désir ardent d'apparaître, les désirs ardents de domination. Et pour réaliser ces désirs qui nous éloignent de Dieu et qui nous rend indifférents vis-à-vis de Dieu, on ment, on peut mentir, on peut désinformer la réalité, on peut faire le pacte avec le diable. Bref, on redevient animal sauvage qui dévore sans forme de procès des brebis galeuses. Malheureusement, ce sont souvent la deuxième génération des héritiers du royaume des cieux, à savoir nous les chrétiens, qui reproduisent ce nouveau ou cette attitude contre notre nature d'être des vrais chrétiens. Malheureusement, ce sont nous des chrétiens qui sont aussi hostiles, voire même indifférents vis-à-vis de l'évangile. Et comment aujourd'hui nous manifestons ce comportement d'indifférence vis-à-vis de l'évangile et vis-à-vis des serviteurs de Dieu? Et c'est ici que je voudrais bien rappeler une petite chose au Père Hervé. Peut-être qu'il a entendu déjà parler de ça, de l'expérience de ce prêtre, de l'expérience de ces curés qui, comme le Père Hervé lui-même, il était dévoué pour le ministère. Il était disponible, très zélé. Il avait le sens du divin, le sens de l'humain. Mais en retour, quand il s'agissait d'exercer son ministère, voici ce qu'il récoltait. Aussi, ce curé a pu écrire ce que je vais vous lire. Monsieur le curé a toujours tort. Ou encore le serviteur de Dieu a toujours tort. Et qu'est-ce qui explique qu'il soit ou qu'il ait toujours tort? S'il a l'air jovial, l'air bon, on lui répondra qu'il est naïf. S'il est grave et austère, on dira qu'il est grincheux. S'il est un bel homme, on dira pourquoi ne s'est-il pas marié. S'il est laid, on dira personne n'a voulu de lui, c'est pourquoi il est devenu prêtre. S'il est gros, on dira il ne s'éprouve de rien. S'il est maigre, on dit c'est un avare. S'il est grand, on dit il nous regarde de haut. S'il est petit, on dit, on dirait un enfant de cœur. S'il possède une voiture, on dit il est trop attaché au bien matériel. S'il va à pied, on dit il ne va pas avec son temps. S'il va au café, on dit c'est un ivrogne. S'il reste chez lui, on dit c'est un sauvage. S'il visite des paroissiens, on dit il fourre son nez partout.
S'il reste au presbytère, on dit qu'il ne s'intéresse pas à ses rouères. S'il va chez les pauvres, on dit que c'est un révolutionnaire. S'il va chez les riches, on dit que c'est un intrigant. S'il délègue le travail aux laïcs, on dit que c'est un fainéant. S'il contrôle les activités, on dit que c'est un tyran. S'il prêche longtemps, peut-être comme moi, on dit qu'il est ennuyé. On ne comprend pas ce qu'il dit. S'il prêche court, on dit qu'il se fatigue trop. S'il élève la voix, on dit qu'il crie trop fort. S'il parle normalement, on dit qu'on ne saisit pas ce qu'il dit. S'il demande des offrandes, on dit qu'il court après l'argent. S'il n'en demande pas, on dit qu'il va vouloir vérifier ses comptes. S'il organise des fêtes, on dit qu'il gaspille l'argent de la paroisse. S'il n'en organise pas, on dit que la paroisse est morte. S'il sort sur les parvis après la messe, on dit qu'il n'a pas de contact facile. S'il ne fait pas de travaux, il n'aime pas son église. S'il est jeune, il manque d'expérience. S'il est vieux, il a l'âge, critique. Bref, quoi qu'il fasse ou ne fasse pas, il n'aura jamais raison. C'est à peu près le comportement que l'on peut observer chez beaucoup de chrétiens vis-à-vis de prêtres, vis-à-vis des serviteurs de Dieu, vis-à-vis de tous ceux qui parlent au nom de Dieu. Il s'agit d'une certaine indifférence. Il s'agit d'une certaine hostilité inconsciente, mais manifestée dans le vécu quotidien, dans le vécu chrétien. Et ça, ça nous empêche d'avoir accès au royaume des cieux. Mais est-ce que c'est à cause de cela que nous sommes privés d'être héritiers du royaume des cieux? Je répondrai que par non. Nous sommes tous appelés, malgré cette attitude, malgré cette indifférence, malgré cette hostilité vis-à-vis de la parole de Dieu, le Seigneur nous invite toujours à prendre part au festin de son royaume. Raison pour laquelle la deuxième partie de cette parabole nous donne maintenant des préalables ou encore des conditions pour pouvoir participer à ce festin du royaume. Et ces conditions, nous pouvons les résumer en deux parties. La première condition, il s'agit de revêtir le Christ à la manière de saint Paul. Et deuxième manière, c'est de savoir reproduire tous les fruits de l'Esprit Saint. Revêtir le Christ, qu'est-ce que cela veut dire pour entrer dans le royaume des cieux? Revêtir le Christ, c'est une conversion du moi, une conversion d'être, une conversion totale. En fait, c'est avoir une attitude de voir les choses autrement. C'est la capacité d'accueillir la parole de Dieu facilement et de laisser cette parole de Dieu pénétrer dans notre vie. C'est un peu ça, revêtir le Christ. C'est redevenir ou devenir un autre Christ. C'est reproduire la vie du Christ dans notre propre vie. C'est regarder l'humanité. Regarder les hommes et les femmes comme le Christ le regarde. C'est devenir offrande pour le monde, comme le Christ est devenu offrande pour le monde. Ça, quand on essaye de modeler sa propre vie en devenant comme le Christ, eh bien, nous sommes déjà prêts, nous sommes préparés à entrer dans le royaume des cieux. Deuxième partie, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut reproduire les fruits de l'Esprit Saint. Et produire les fruits de l'Esprit Saint, c'est parvenir à mener une vie humaine vertueuse. À l'exemple de saint Paul. Saint Paul nous le dit lui-même dans sa lettre aux Philippiens. Pour modeler sa vie, pour organiser sa vie, saint Paul dit, je sais vivre de peu. Je sais aussi avoir tout ce qu'il me faut. Être rassasié et avoir faim, avoir tout ce qu'il me faut et manquer de tout, j'ai appris tout cela. En effet, il s'agit d'une vie du juste milieu. Il ne s'agit pas d'une vie qui nous dépasse. Il ne s'agit pas d'une vie, si vous voulez, qui ne correspond pas à nos moyens et à ce que nous sommes. Il s'agit d'une vie contentée. Il s'agit d'une vie acceptée. Parce qu'il arrive très souvent de refuser d'accepter ce que nous sommes et de vivre autrement ce que nous ne sommes pas. Cette manière nous éloigne davantage
des valeurs évangéliques. Et saint Paul a mené une vie vertueuse en vivant du juste milieu. Et de ce juste milieu, les fruits de l'Esprit Saint s'ajoutent. Parmi ces fruits, il y a la générosité. Parmi ces fruits, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a la largeur d'esprit, il y a la bonté, la foi, la douceur, la maîtrise de soi et tout ce qui nous rapproche davantage de Dieu, comme nous les rappelle saint Paul dans sa lettre aux Galates. C'est de cette manière, chers frères et sœurs, que nous pouvons nous préparer à accéder au royaume des cieux. Aujourd'hui, et à l'occasion de cette célébration des prémices, il est temps maintenant pour nous de nous poser des questions essentielles. Est-ce que dans ma vie réelle, dans ma vie vécue, j'essaie d'observer ou j'ai rempli une de ces conditions pour avoir part dans le royaume des cieux? Est-ce que tel que j'ai vu ma vie aujourd'hui, si j'essaie de la projeter à l'extérieur de moi-même, je peux dire que je reproduis quelque chose du Christ en moi, ou bien je vis que de façon charnelle, ma vie est organisée selon la chair? C'est vrai, nous ne pouvons pas nous dépouiller de notre chair, parce que c'est un don de Dieu aussi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, j'essaie de reproduire la vie du Christ dans ma propre vie? Est-ce que je peux dire que mon langage est un langage du Christ? Est-ce que je peux dire que mon attitude est l'attitude du Christ? Ça, c'est à chacun de nous de se poser ce genre de questions. Et deuxièmement, se demander aussi si dans ma vie de chaque jour, j'ai produit tous ces fruits de l'Esprit Saint. Quel est le bilan personnel que je peux faire par rapport à ma générosité, par rapport à l'amour que je manifeste envers les autres, par rapport à la joie, par rapport à la largesse d'esprit, etc. C'est de cette manière que nous pouvons nous préparer à la grande célébration et à la célébration finale du festin que le Seigneur organise pour nous. Voilà pourquoi nous allons demander pendant cette célébration eucharistique la grâce d'être des vrais héritiers du royaume. Les vrais héritiers du royaume, ce sont ceux-là qui accueillent la parole de Dieu, qui comprennent la parole de Dieu et qui laissent cette parole prendre corps dans leur corps. Nous allons demander aussi au Seigneur d'accorder la grâce au Père Hervé pour qu'il ne se fatigue pas à chaque fois qu'il fera face à l'indifférence religieuse, à l'indifférence vis-à-vis de la parole de Dieu, mais aussi de pouvoir toujours se considérer comme serviteur envoyé pour annoncer le règne de Dieu et pour faire des hommes et des femmes, des enfants de ce royaume de Dieu, des héritiers de ce royaume de Dieu.
l'Éternel soit notre berger, les bonheurs et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Prions le Seigneur. Sachant qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Soyons prêts à l'invitation du Seigneur pour être parmi ses élus. Prions le Seigneur.
maintenant et pour les siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous allons offrir à deux quêtes, la première comme offrande ordinaire et la deuxième quête servira aux différents travaux de notre paroisse. Offrons à Dieu ce que nous avons prévu pour lui, chantons et dansons avec la chorale Laudate.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prions le Seigneur. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dominus vobiscum.
mon corps livré au Thank you.
comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous avons dit, notre Père, de la communion. Examinons nos cœurs avant de nous communier avec le Christ.
Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. 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 Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Acclamons-le. Bien-aimé de Dieu, Shalom. Nous venons de célébrer le 28e dimanche du temps ordinaire et l'année liturgique A. Et à cette même occasion, nous avons prié pour la première fois la communauté francophone de notre paroisse avec un de nos fils, qui s'adjoint du Père Hervé, qui a célébré avec faste beaucoup de joie cette célébration eucharistique. La première ici, à Saint-Frédéric avec la communauté française. Nous allons apporter la parole à Papa Maudit pour dire un mot au nom de la paroisse, c'est-à-dire au nom du curé, de l'équipe sacerdotale et de tout le paroissien pour encourager notre frère qui vient d'être ordonné récemment et qui partage sa joie en nous faisant participer à cette belle célébration eucharistique. Révérend Abbé Kiré et Vicaire, Révérend Père, Révérende Sœur, distingués invités, frères et sœurs en Christ Jésus, aujourd'hui, en ce dimanche 11 octobre 2020, du temps ordinaire de l'année liturgique A, la communauté paroissiale Saint-Frédéric est honorée par la présence de visiteurs tels qu'on peut l'observer. Cette particularité s'explique par trois événements. Déjà, le 5 septembre, le 27 septembre et le 11 octobre 2020. Rassurez-vous, sérieux mais bien, rare d'avoir dans notre palmarès trois fils prêtres en la même année, en moins d'un mois, dire des messes de prémices. Il s'agit de participer solennellement à la messe d'un de nos fils, le fils de Saint-Frédéric, qui s'est consacré au Seigneur par son ordination presbytéral à Nairobi, le 18 juillet 2020, date dédiée à notre saint patron, Saint Frédéric. Cette célébration eucharistique nous a permis d'exprimer notre reconnaissance au Père Céleste pour ce précieux don de sa grâce. Nous aimerions remercier notre curé Abbé Kimwena Alphonse ainsi que notre vicaire et pourquoi pas M. l'Abbé Berriche, Abbé Justin Billet pour avoir été attentionné et suscité notre élan à préparer la réception. Seulement quelques jours avant le 5 septembre 2020, les ordinations du révérend Père Benjamin Kikweta et de l'abbé Daniel Berniche Megama. Il faut bien que nous disions notre reconnaissance à la Congrégation des missionnaires de la Société Mission Africaine, en sigle ESMA, qui a reçu en son sein Hervé Kintumba, l'a préparé pour son don à l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes frappés, marqués et encouragés de la présence physique si éloquente du supérieur, le révérend Père Jean-Baptiste Moussa Bino, qui est venu participer à la célébration de la messe des prémices. Nous exprimons à vous tous, prêtres, nos remerciements. Révérend Père, distingués invités, nous, parents de la communauté Saint-Frédéric, sommes émerveillés par votre devenir.
Le meilleur cadeau que nous pouvons vous offrir, c'est de vous soutenir dans nos prières. Toute notre joie rappelle la promesse, les promesses que vous avez faites par vous depuis le temps à cet appel Dieu renoué dans votre cœur. Nous sommes fiers que vous ayez tenu parole devant l'Éternel. C'est ce qui a occasionné la cérémonie de ce jour. Néanmoins, le chemin est encore long et tout ne fait que commencer. Nous avons foi à votre zèle et détermination à aller jusqu'au bout en demeurant fidèles dans la vocation qui est aujourd'hui perpétuelle. Ainsi dit, nous demandons au prêtre Hervé Kintumba de se lever sous applaudissements. Merci. Hélas, qui est révérend père Hervé Kintumba, né à Mokala le 1er octobre d'une certaine année dans le diocèse d'Idiofa, province du Kwilu, ex-Bandundu, fils de papa Kintumba Jean-Baptiste et de maman Kipana Ambroisine. De sa formation, diplômé d'État en 2006 à l'Institut scientifique et commercial Massina II, après une période de discernement et de méditation avec l'aide de son directeur spirituel et des encadreurs de la commission de vocation, avec l'approbation des parents, fut admis en 2010 à la probétique de la Société des missionnaires africains Kimwenza. 2011-2014, études de philosophie à l'Université Saint-Augustin à Kinshasa. 2014-2015, un mois de cours d'anglais au Ghana et puis au Bénin pour une année spirituelle internationale. Communément appelé noviciat dans certaines congrégations. 2015-2016, stage pastoral et son premier serment temporaire en Tanzanie. 2016-2020, études théologiques à Tangaza, University College. Le 1er mai 2020, à la fin de troisième année de théologie, fait son serment permanent à Nairobi dans la maison de formation ISMA. Le 11 mai 2020, sa quatrième année de théologie, il est ordonné diacre en la paroisse Sainte-Dominique, Saint-Monique, à Kintengela, dans le diocèse d'Engong, durant cette période de stage diaconal à Saint-Joseph, Parish, dans l'archidiocèse de Nairobi. Le 18 juillet 2020, son ordination presbytérale à Nairobi par Mgr David Kamau, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Nairobi dans la maison de formation Isma Karen. Révérend Père Hervé, demeurez fidèle dans la vocation qui est aujourd'hui perpétuelle. À vous, chers parents, pour tous les sacrifices consentis, ce jour, nous vous disons amplement merci. Distingués invités, nous vous souhaitons bonne fête et bonne réjouissance à l'honneur du révérend Père Hervé Kintumba Loyalo. Nous vous remercions, communauté Saint-Frédéric, conseil supérieur paroissial. Merci.
Chères sœurs et frères, shalom. C'est le grand moment où nous allons témoigner de notre amour à notre frère Hervé, qui est fils de la paroisse, qui a honoré la paroisse. Il n'a pas fait la honte de la paroisse. Il est parti pour la formation. Après 12 ans, il est revenu prêtre, bien instruit, cultivé, mûr. Si nous pouvons applaudir très fort pour notre frère. Il a travaillé à la paroisse, il a laissé des empreintes dans la Légion Junior, mais aussi à la chorale qui nous a animés. Nous allons inviter très respectueusement M. l'abbé Hervé de pouvoir se tenir debout. Et le protocole nous amène le panier pour que nous puissions témoigner de notre amour, de notre attention à notre frère. Le conseil paroissial avait déjà donné à la première messe le cadeau pour notre frère. Nous allons commencer par les amis ou soit Amical et Esma, ils vont donner leur cadeau. Ensuite, nous allons prendre d'abord les papas qui aiment l'abbé Hervé. Si tu es papa et que tu aimes vraiment ton fils qui est là, le plus beau des enfants de l'homme, il est élégant, très chic, avec une belle chasuble, bien cousue. Les papas vont suivre derrière. Après les papas, nous allons passer par les mamans et le jeune vont finir. Que la couronne mette un cantique exceptionnel pour témoigner de cette joie. Amical et Esma, si vous pouvez vous présenter avec vos présents. Félicitations. Alléluia, alléluia, alléluia.
pays de la RD Congo. Kaki Aou, qui est conseiller du district de la Soum des ESMA et supérieur de la maison de formation ESMA qui est à Kimouita, qui peut célébrer. Nous avons le père Séverin Kinga qui est aussi ESMA, il peut célébrer sous nos applaudissements. Nous avons le père Patrick Pet qui est aussi ESMA, il peut célébrer. Accompagner notre frère. Nous avons aussi notre jeune frère, M. Lamé Mamanza, qui est de la paroisse Saint-Athanase, mais qui est souvent avec nous. Il peut s'élever pour que nous puissions aussi lui saluer. Merci. Mamanza, notre frère Mamanza est au séminaire de théologie Saint-Jean 23, notre séminaire diocésain de théologie. Il est en année terminale, espérant que l'année prochaine, il reviendra pour célébrer sa première messe ici comme diacre, mais aussi comme prêtre. Permettez-moi aussi de vous présenter nos jeunes de la paroisse, le cadet de notre frère Hervé, qui ont fini la philosophie et doivent commencer la théologie. Nous avons M. l'abbé Christian Loire, M. l'abbé Enoch Pampomo et M. l'abbé Jean Matamba, passez devant pour que nous puissions vous voir. Ils sont fils de la paroisse, le droit vient de terminer la philosophie. Ils doivent commencer la théologie, c'est-à-dire la science des dieux. Voilà, je vous prie de nous applaudir très fort pour les enfants. Alpha Kimwena, il y a un vicaire de la paroisse, l'abbé Justin Pille, et M.
nous autres, mais nous sommes là pour nous reposer à Saint-Frédéric. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée dominicale chez nous à Saint-Frédéric. De nos invités, les invités de la mairie du Père Hervé et les invités de la paroisse, puissiez bénéficier de l'heure de Moukali pour visiter le quartier, le temps que les amis qui sont là-bas dans la logistique puissent apprêter les choses que nous allons vous recevoir dans la grande salle. Bonne fête à tous. Shalom. Je profite de cette occasion, de cette opportunité pour dire d'abord merci à la famille du Père Hervé. Ses parents ont accepté que Hervé aujourd'hui nous célèbre cet Eucharistie. Et je tiens aussi à dire merci au père de cette paroisse qui ont accepté que ces prémices soient organisées aujourd'hui. Je tiens aussi à dire merci à vous tous, ceux et celles qui l'ont accompagné depuis qu'il avait dit « J'ai la vocation, je vais me consacrer à Dieu ». Vous l'avez soutenu, vous l'avez accompagné, vous avez prié pour lui. Et aujourd'hui, c'est le fruit de votre soutien qui est là en face de nous, le Père Hervé qui a célébré cet Eucharistie. Je pense que nous n'allons pas nous arrêter là. Il a besoin encore de votre soutien. Priez toujours pour lui, parce que c'est une nouvelle étape qui commence. Il a cessé d'être étudiant. À partir de maintenant, par son ordination sacerdotale, par cette messe, il commence une étape nouvelle. C'est la mission. Et là, je viens pour annoncer là où il va commencer sa mission. Le Père Hervé est nommé dans la province Essema du Togo. C'est là-bas qu'il va commencer ses premières expériences missionnaires, qu'on dit. C'est là où il va commencer son premier amour avec la mission. Vos prières vont l'accompagner. Vous l'avez soutenu. Ne vous lassez pas. Ne baissez pas les bras. Il a toujours besoin de votre présence. Chaque jour, dites le fils, hein, je vous salue Marie, pour le Père Hervé, là où il sera, qu'il bâtisse une communauté de vie, qu'il tourne une mère, un père, une grande sœur, un grand frère, un petit frère, une petite sœur qui va l'accueillir et qu'il trouve une famille qui va l'adopter là-bas. Que Dieu lui-même, ce qu'il a commencé au Père Hervé, puisse l'achever à travers le premier pas de la mission. Merci.
Shalom. Je voudrais aussi vous dire un grand merci pour avoir rehaussé de votre présence à cette grande cérémonie. Merci pour m'avoir soutenu à travers vos prières, à travers tout ce que vous pouvez faire pour que je m'avance et aujourd'hui je suis prêtre. Merci à la Torah, merci à tout le monde qui est ici. Je voudrais maintenant vous présenter quelqu'un, Père Daniel Kamou. Shalom. Nous avons ici devant nous quelqu'un qui est étranger. Il s'appelle Daniel. Peut-être il va d'abord vous saluer avant que je continue. Bonjour, mes frères et mes soeurs. Je m'appelle Daniel. Nigérien. Tout d'abord, je suis très content de venir ici pour célébrer avec mon grand frère, Père B, et avec vous aussi. Je prie aujourd'hui que Dieu vous bénisse, vous protège et vous garde maintenant et à jamais. Merci beaucoup. Daniel est venu au Congo pour un an de stage. Nous tous nous sommes passés par là. Comme vous l'avez entendu quand Papa Mbondi parlait, j'étais en Tanzanie pour un an de stage ici. Et il est venu ici apprendre une nouvelle langue, une nouvelle culture. Donc c'est à nous maintenant, je vous invite tous à le soutenir. Il sera probablement à Saint-Barthélemy, là où il va faire son année pastorale. Donc soutenez-le, bien que je ne sois pas là parce que je vais partir, mais lui va rester. Considérez-le comme Hervé et puis comme un de vous. Soutenez-le à travers vos prières. S'il y a possibilité de le soutenir aussi financièrement, il n'y a pas de problème. Il est ici, il n'a pas de parents ici, il n'a pas de frères et de sœurs ici. C'est vraiment un peu difficile, une situation terrible pour le moment. Mais avec le temps, il va s'habituer. C'est pourquoi nous vous invitons tous de venir juste parler avec lui, surtout en Lingala et en français, pour qu'il puisse maîtriser aussi la langue d'ici. Comme nous aussi avions fait ailleurs où nous étions, quand nous apprenions l'anglais et le français et qu'il soit libre. Donc il est là parmi nous pendant un an, il sera à Saint-Barthélemy. Thank you, brother. Sur un menace à un moment.